Méditation, éveil du troisième œil. Le chakra du troisième œil est situé dans l'espace entre les deux sourcils. Il correspond à notre cerveau et système nerveux en général. Il gère la glande épiphyse. Il n'y a pas d'organe d'essence qui lui corresponde, mais une perception psychique, c'est ce que l'on appelle le sixième sens, c'est-à-dire l'intuition et les flashs imagés de voyance. Je pense que dans un passé lointain, un troisième œil physique lui correspondait, qui permettait de voir les énergies éthériques et astrales directement. Sur le plan psychologique, c'est le chakra du contrôle de soi et de sa vie en général. Gouverner, c'est prévoir. Ce chakra permet également de vivre les événements et situations avec détachement. On voit les choses de haut. Si notre mental est trop fort, il peut bloquer complètement les intuitions de ce chakra. Dans notre éducation occidentale très formatée, dans le rationalisme exagéré et le matérialisme, c'est fréquent. Le chakra du troisième œil est en rapport avec la lumière spirituelle qui nous permet de percevoir avec clairvoyance les situations et les êtres. Du point de vue parapsychologique, il favorise les flashs d'intuition et les clichés de voyance, la perception des auras. Dans la tradition tantrique, on prétend qu'il procure le pouvoir de dissoudre le karma. Dans le domaine de l'astrologie, le chakra du troisième œil correspond à la lune. Les pierres bénéfiques au chakra du troisième œil sont le lapis lazuli et le cristal de roche, par exemple. Pratiquons maintenant. Vous vous placez dans une posture confortable, favorable à la méditation. Les paupières closes. Vous détendez le bras droit. Le bras droit parfaitement détendu. Vous détendez la jambe droite parfaitement détendue. Vous détendez la jambe gauche parfaitement détendue. Vous détendez le bras gauche parfaitement détendu. Vous détendez les muscles du visage, le menton, les muscles des mâchoires, les joues, les muscles autour des yeux, le front. Tout le visage détendu, tout le corps détendu. Bien. Maintenant, vous vous concentrez dans l'espace entre vos deux sourcils, où vous visualisez un lotus à deux pétales de couleur mauve. En son centre, un triangle blanc pointe du sommet dirigé vers le haut, représentant la lumière spirituelle. À l'intérieur est écrit la syllabe OM, ressemblant un peu au nombre 3. Voyez cela. Vivez cela. Puis, tout en continuant de bien visualiser dans l'espace entre vos deux sourcils votre troisième œil, un lotus de couleur mauve à deux pétales, le triangle blanc pointe du sommet dirigé vers le haut, la syllabe OM. Vous chantez le mantra OM 10 fois. OM.
Om. Puis maintenant, tout en continuant de vous concentrer sur votre troisième œil, à chaque inspiration, vous imaginez que vous absorbez l'énergie cosmique qui passe à travers lui. Et à chaque expiration, vous chantez intérieurement le mantra Om que vous projetez en face de vous en passant à travers votre troisième œil. À chaque inspiration, vous absorbez l'énergie cosmique qui passe à travers votre troisième œil. À chaque expiration, vous chantez intérieurement le mantra Om que vous projetez en face de vous en passant à travers votre troisième œil. Faites cela à plusieurs reprises. Voyez cela, sentez cela. Puis, tout en continuant d'émettre intérieurement le Om à travers votre troisième œil, vous sentez, vous voyez le triangle du troisième œil vibrer et étinceler. Voyez cela, sentez cela. Puis, bientôt, le triangle blanc dans l'espace entre vos deux sourcils, devient de plus en plus étincelant, de plus en plus brillant. Un voile semble se soulever dans cet espace, et la vision d'un œil, l'œil de la connaissance intérieure, apparaît dans cet espace. Vous pouvez relâcher le champ intérieur du Om. Depuis votre troisième œil qui brille dans de magnifiques couleurs, une lumière se répand progressivement dans tout votre corps, vous illuminant de l'intérieur. Cette lumière spirituelle vous recharge intérieurement, mais en même temps purifie à l'intérieur de vous des karmas anciens. Voyez cela, sentez cela.
Je vous laisse quelques minutes dans cette illumination intérieure. Soyez présent à votre méditation. Soyez attentif. Cette lumière spirituelle vous recharge intérieurement, mais en même temps purifie à l'intérieur de vous des karmas anciens. Voyez cela, sentez cela. Bien, maintenant vous effacez progressivement ces sensations, ces images. Votre respiration est plus ample, plus profonde. Vous vous sentez plein d'énergie et de vitalité. Vous ressentez bien votre front, les muscles autour des yeux, les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pied. Votre respiration est plus ample, plus profonde, et vous ouvrez les yeux quand vous voulez. La séance est terminée.